Hands up, then we're gonna drop. Salut à tous et à toutes, c'est Dylan Horde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les mecs. Et oui, nous sommes sur Call of Duty Mobile saison 13. Et oui, la saison 13, la saison de Noël qui fait ultra plaisir. Et ouais, bon, cette vidéo aurait dû sortir il y a un bon petit moment déjà, ça fait deux jours que ça aurait dû sortir. Mais il y a eu pas mal de choses qui m'ont empêché. Et donc voilà, je vous la fais maintenant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Là, voici la fameuse vidéo de la découverte de la saison 13. Alors, on va découvrir ça ensemble pour la première fois. Donc déjà, on va aller voir les événements rapidement. Hein. On va voir. Bon, là, déjà, ça, j'ai déjà pris les trucs. Ça, il n'y a absolument rien. C'est quand même bizarre. Normalement, il y a toujours plus que ça. Il y en a au moins 3, je pense, ou quoi. Là, il n'y en a qu'un seul. Donc, je sais qu'ils vont en mettre au fur et à mesure. Mais bon, voilà, c'est très peu, je trouve. C'est très peu. Et en plus, c'est du recherche et des destructions. J'ai pas envie de me taper ça. Donc, voilà. Bon, c'est pas fameux, mais bon, c'est pas grave. Il y en aura sûrement d'autres. On va aller voir dans la boutique à crédit. Bon, il y a aussi des packs. La boutique à crédit, qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. Alerte maximale. Bon, ça, je l'ai pas. On va le prendre, hein, tant qu'à y être. Ça, j'en bats les couilles de mitraillage. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. À part, ouais, bon, Outrider, je l'ai déjà. Ouais, bon, y a pas grand chose, hein, y a pas grand chose de ce côté-là pour l'instant. Ce n'est pas plus grave que ça. On va aller voir le Battle Pass, hein, des règles. On va voir est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou est-ce que, bah non, en vrai, on s'en va les couilles. Donc, ouais, pour l'instant, c'est des skins d'hiver. Et ouais. Des skins en bleu, donc ça c'est cool, des skins en bleu. On a Park, on a la Manowar, et oui. Mais je sais pas si les skins vaut le coup. En vrai, je parle pas des skins de perso, je parle vraiment des skins d'armes. Je sais pas si les skins d'armes vaut le coup. Je ne sais pas. En vrai, voilà quoi. Mais voilà, juste pour la Peacekeeper, ça me donne envie de l'acheter. Parce que vous savez, c'est mon AR préféré dans les Call of Duty. Donc voyons voir en fait un peu plus en détail. Bon, ok, d'accord, ça je m'en bats les couilles en vrai, ça je m'en bats les couilles. Donc, genre le problème, c'est vraiment que elle n'est pas animée. Et j'aime pas trop le fait qu'elle ne soit pas animée. Je ne sais pas en vrai. Si je regarde les autres armes, ouais, ça c'est de la merde, on s'entend. Par contre, on peut l'avoir ici. En fait, ça c'est quoi? Troïka. Ah, Troïka, c'est quand même cool. Ouais, c'est une bonne petite variante, ça je trouve. C'est quand même une bonne variante. Bon, ça c'est le système IEM. Ça, c'est un truc, je sais pas quoi. La Peacekeeper, bien évidemment. Ah là là. Ouh, ça fait plaisir de l'avoir. En fait, ça, c'est quoi? C'est. Oh, la HBR. Bon, c'est bien d'avoir la HBR dans le Battle Pass. Hein, ça fait plaisir. Et puis, voilà, on a lui. On n'a pas vraiment grand chose, j'ai l'impression, de très intéressant. À part ça. Bon, on va quand même voir, en fait, le dernier skin, vu que c'est ça qui m'intéresse le plus. En fait, ok, on aura Adler ici. Et, allez. Oh, d'accord, il est admis. En fait, attends une minute. Oh, les enculés. En vrai, je pense que c'est le skin de Infinite Warfare. C'est un des skins qui était exclusif à Infinite Warfare. Les enculés, ils ont fait ça. Oh là là. Donc, ils ont fait une variante, mais avec le skin de Infinite Warfare, j'ai l'impression. Voilà, c'est bon. Bah, je sais pas si j'ai envie d'acheter Battle Pass. Il a pas l'air non plus foufou. Mais... en vrai, si j'ai vraiment envie, peut-être que j'achèterai. Boum, et voilà, nous sommes sur Raid de fête. Oui, la mec qui était là il y a un an et qui est enfin de retour, ça fait plaisir de la voir. Et donc voilà, bon, vu que Nuketown russe, en tout cas apparemment à ce que je vois, n'est pas encore disponible, je ne l'ai toujours pas trouvé, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, eh bien j'ai décidé de faire cette vidéo sur Raid, et donc quand je verrai Nuketown, nous ferons une vidéo là-dessus. Oh putain. Ah là là, ok, on est en enragé. Ouais, parce que bon, le mode de jeu est aléatoire. Il y a un mec là, ok, d'accord, il est mort. Mais bon, voilà. En vrai, Raid Noël. Ah putain, comment ça se fait que je l'ai pas eu, cet enculé. Raid Noël, en vrai, c'est super cool. Vraiment, c'est super cool. Vous pouvez voir, tout a changé. Il y a de la neige, les arbres ont plus de feuilles. Bonjour, au revoir. Comment je me suis fait enculer encore là? Bon, ok, d'accord, vous avez compris ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il faut prendre la Vector de merde. Allez, voilà la bonne petite Vector. Mon arme préférée. Oh, toi, tu m'as fait peur. Mais bon, voilà. Tout a changé. C'est vraiment cool. Et bah voilà, ça va rester seulement pendant les temps des fêtes. Alors, profitez de la map. Toi, tu crèves. Hein. Donc, profitez vraiment de la map. Oh, merde. Oh, j'ai eu peur. Toi aussi, tu dégages. Oh, mon Dieu. Non, mais c'est quoi ces fils de pute à en mettre deux, la vérité. Ok, je vais me faire... Ouais, non, ça, c'était sûr. Je joue mal aujourd'hui. Bon, voilà, je viens de me réveiller aussi. Je vais pas mentir.
Malgré qu'il est 3h de l'après-midi, vous pouvez voir mon horaire. Oh, j'ai cru que c'était la Peacekeeper, ça aurait été vraiment super stylé si je pouvais la tester. Non, ça marche pas. Bon, ça traîne un peu beaucoup, mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Ça c'est quoi? D'accord, non, il ne l'a pas montré. D'accord, on va aller par là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a un mec derrière, ouais. Il y a un mec derrière, hein. Voilà, tu meurs, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mec quelque part là? Oh, non, peut-être, non. Ok, d'accord, il n'y a personne. Voyons voir si dans leur spawn, il n'y a pas... Merde, je vais peut-être mourir en vrai. Peut-être mourir si je reste... Oh, putain, oh, merde. Oh, tu m'as fait peur, toi. Pousse-toi. Derrière. Et je vais crever. Oh, j'ai réussi à pas crever. La vérité, il restait genre une seconde au compteur. Là-bas, il y a un mec. Bon, le truc avec enragé aussi, c'est que... Il faut que tu fasses des kills si tu ne veux pas crever. Allez, tu vas te calmer. Ah, voilà, tu vas te calmer, j'ai dit. On va mettre ça. J'ai pas envie de crever non plus. Il y a un mec sûrement là. La vérité, ouais, à quel point je vais vite. C'est abusé. Ouais, non, le mec, il est tryhard. Le mec, il tryhard clairement. Allez. Non. Ah non, je me suis bloqué comme un enculé, merde. Mais non. Bon, la vérité, c'est pas plus grave que ça. On va essayer déjà d'aller encore dans leur spawn. Parce qu'on va pas se mentir que c'était bien. Après, est-ce qu'il y a un mec là? Ouais. Et il va me buter, ouais. Il va me buter, c'était sûr. Il m'a vu, il m'a visé avant même que je puisse viser moi. Donc oublie ça, c'était sûr que j'allais crever à ce moment-là. Est-ce que il va être... Putain de merde! Ah, dommage. C'est pas la fin du monde, hein. Ce n'est pas grave. On va retourner et on va essayer de le défoncer. Voilà, c'est ça, tout le cas. Putain de merde. Ça c'est quoi? C'est de la merde. Ouh! Bonjour, au revoir. Voilà, c'est bon, c'est ça qu'on... Ah, voilà, c'est bon. Oh, bonjour, toi, tu m'as fait peur, sa mère. Toi, tu crèves, c'est ça que je voulais. Ok, toi, tu vas arrêter de faire ton fils de pute. Au revoir, salope. Donc ça, c'est fait. On va mettre ça pour pas qu'il nous fasse chier. Pour une raison quelconque, on va mettre ça là. Ok, d'accord, j'ai bien fait. Ça, c'était une bonne chose. Est-ce qu'il n'y a pas un mec dans leur spawn? Dommage. On va aller de l'autre côté et voir s'il n'y a pas... Il y a un mec là? Ouais, il y a un mec. Putain, je l'ai raté. On va mettre ça rapidement. Rapidement, ouais. Ok, ils sont tous là. Non. Tu vas te calmer, merci. Il y a un mec là, ouais. J'ai dit ta gueule, merci. Je vais bientôt avoir mes points de choc si je suis un autre mec. Ta gueule, bon. Oh! Ta gueule, tu dis. Quoi? Bon, c'est bon. Je l'ai eu. Ah non, mais vous avez vu? C'était quoi ce bug de merde? La vérité, j'aurais dû l'avoir, en tout cas. On va essayer de pas crever encore. Et attends, il y a un mec là? Il me reste 15 secondes, la vérité, avant de crever. Faudrait que je trouve un mec. Ah, il y a un mec là! Je vais peut-être crever, mais non, c'est bon, merci. Allez, on va... Il y a un mec. Ah, il y a des mecs partout! Non, je vais crever! Ah, dommage! J'ai visé comme une merde. Bon, comme je vous l'ai dit, le réveil, ça aide pas. J'ai pas envie de mettre le Goliath, honnêtement. Je faisais juste ça pour les défis, voilà. En fait, un truc pour ceux qui font leur défi Goliath avec les RPG, vous essayez d'en avoir un et vous, merde, dommage, vous le mettez dans le camp ennemi et donc vous laissez l'ennemi le prendre. Et voilà, c'est comme ça que vous faites vos défis. C'est beaucoup plus simple. Après, vous allez péter votre ratio à certains moments avec les défis headshot, mais bon, ce n'est pas grave. Il faudra aussi que je grind le camo diamant et ensuite que je vais faire une vidéo avec. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo malgré la petite enculage du début. Hein, ils n'étaient pas faciles, ces enculés, surtout après un réveil. Mais bon, j'espère que vous avez aimé quand même la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé et aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.